Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du fantasme du viol. Je trouve qu'il est énormément mal appelé, donc du coup je vais vous proposer de le rebaptiser et je vais vous dire aussi pourquoi il me pose problème. Déjà, quand les personnes parlent de fantasme du viol, elles ont une personne en tête, tout simplement. Elles ne veulent pas être violées par n'importe qui. Et ensuite, ben, elles ont envie, elles ont du désir et elles ont un feu vert en tête à donner à cette personne-là. Donc du coup, est-ce qu'on peut parler de viol s'il y a du consentement et il y a un oui? Tout simplement, non. Et donc du coup, le problème de ce fantasme du viol qu'on appelle ainsi alimente l'inconscient et le conscient masculin misogyne et violent. Donc évidemment, ça ne concerne pas tous les hommes, mais une partie des hommes qui ont tendance à se dire « bon bah, je vais la violer, elle attend que ça, c'est son fantasme, elle rêve toute de ça ». Et non, bien sûr que non. C'est pour ça que de le rebaptiser comme étant le fantasme, je sais pas moi, d'être pris sauvagement, de faire l'amour violemment, peu importe. Mais en tout cas, le fantasme du viol n'existe vraiment pas. Et je pense qu'il serait temps en 2020 de le renommer tout simplement. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube.